Hey, salut à tous, c'est KiGaming21. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour la customisation et test de la des classes BAMUS. Donc, elle est disponible sur le site de Southern San Andreas au prix de 596 000. Donc, elle est sortie aujourd'hui. On va aller customiser cette nouvelle voiture. Ok, c'est parti, on va aller la modifier. Alors le blindage on a à fond, les freins également. Alors le pare-choc avant, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Ouais, je vais mettre le pain. Alors trousse, de arrière, pain, des roulettes, mais roulettes et voile. What? Ouais, non, je vais juste le mettre en pain. Je suis pas fan. Alors le celui-là, ok. Alors à bout chromé, ok, gros calibre, tube de roi, course, hotring. Donc c'est des gros des côtés, hotring titan. Je vais le mettre en hotring titan. Les ailes, ah. Finition retirée, peint. Je vais y mettre en peint. Alors la calandre ouverte, lamelle, maille, d'air apparent, radiateur, calandre turbo apparent, turbo. Je vais mettre les turbos. Alors le capot, sport, injection d'air. Ok, donc là on a les gros trucs comme la voiture. Ok, je vais mettre celui-là. En klaxon. Ah, je vais mettre celui-là pour changer un peu. Alors, éclairage. On ira voir tout ça à la fin. On va déjà voir la couleur. Alors, les motifs. Bande blanche, bande noire, bande blanche latérale, noire latérale. Ouais, c'est sympa les flammes. Non, un peu rouillé, j'aime pas trop. Ah oui, sympa. Rose vengeance. Course. Ouais, ça c'est sympa. Ce qu'on va faire. Ah, j'ai mis ça, mais au final. Non, je vais mettre celui-là au final. Alors, du coup, on va aller en peinture. Donc, la plaque, on va mettre le max. La peinture, alors donc les traits, de toute façon ils vont rester blancs, hein, je pense. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Une couleur foncée. J'ai pas trop d'idées, je sais pas trop comment la mettre. J'ai bien envie de la mettre en bleu foncé. Ah, je vais la mettre en bleu nautique. Donc là, je vais la mettre pareil, je pense. Ah, quoique, argent bleuté. Ah, je vais mettre en argent bleuté, ça peut être sympa. Alors, pour un nacré, bleu diamant.
Ouais, le bleu normal, ça rend pas mal. Du coup, arceau de sécurité, cascade, le toit, non, toit de vinyle, non, aileron, il y a des ailerons, ok. Ah ouais, c'est des petits ailerons. Oula, oula, oula. Alors à la limite, celui-là peut être sympa. Soit celui-là, soit celui-là. Je vais mettre le bas. Et les suspensions, on va y mettre à fond. Transmission turbo également. Alors, les roues, qu'est-ce que je vais mettre? Des muscle car, hein. Comme ça ira bien avec la voiture. Attends, je vais mettre celle-là pour changer un peu. La couleur, je vais les mettre en blanc, je pense. Ouais, en blanc givre pour faire ressortir les motifs. Et je vais mettre du coup la fumée, je vais la mettre en bleu. Tac. Les fenêtres, fumée claire. Et du coup, on va aller changer les éclairages. Là, je vais les mettre en bleu, je pense. Bleu électrique. Le kit néon. On va y mettre en bleu comme la voiture. Alors, sans lumière noire, il n'y a pas de bleu chaud. Ah, si. Bleu électrique aussi. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la voiture. Donc, on va laisser ça dehors comme d'habitude. Et on va voir ce que ça donne. Oula. Oula. Ah, c'est les roues que j'ai pas changé de couleur. Mais je vais les modifier après. Ouais, elle est plutôt sympa à conduire. Sympa à conduire. Après, est-ce que elle vaut le coup? Peut-être un peu cher quand même par rapport à son prix. Je crois qu'elle doit être de 500 000. Bon, après, c'est voilà, on a été habitué à plus. Non, franchement, elle est sympa à conduire. Elle tourne assez bien. Bon, elle dérape quand même pas mal, mais faut pas oublier que c'est les voitures américaines. Non, franchement, elle se conduit plutôt bien, je trouve. Elle se conduit même super bien. Bon, écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!